Rebonjour à tous, ou bonjour à tous, je sais pas exactement. Et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur Starbound. Je viens de faire quelque chose qui est un pas important dans le développement du jeu, qui est de créer une enclume. Alors pour créer une enclume, il faut 8. Voilà. Il faut 8 barres de fer, donc 16. Minerai de fer. Et à quoi sert l'enclume? Elle sert à créer, entre autres, des nouvelles armes, mais aussi des nouveaux outils, que ce soit des nouveaux arcs, des nouvelles pioches, des nouvelles haches, ou des nouveaux équipements. Donc là, j'ai pas de quoi tout de suite créer quelque chose d'intéressant. Parce qu'en général, je joue plutôt à l'arme à deux mains. Histoire d'être un peu un gros bourrin, je pense que je vais partir sur celle-là. Donc le Carver XL. Je vais quand même créer ça avant. Et je vais tester ça sur un monstre pour voir si les dégâts que je fais sont augmentés, mais en fait j'aime pas du tout à cause de la range de l'arme qui est super petite. Alors ça c'est le chemin que je me suis créé pour aller chasser du minerai. Bon, ok, je l'ai one shot. Donc pour l'instant je vais peut-être pas faire de nouvelles armes. C'est pas mal si je les one shot. On va voir bientôt pour la confection de nouveaux outils et armures. J'ai été récolter du cuivre. Récolter ce cuivre m'a permis d'avoir exactement 8 barres de cuivre. Et donc d'améliorer ma pioche en pierre vers une pioche en cuivre. Donc ça permet tout simplement déjà bah, de remettre la durabilité au max, et en plus de piocher plus vite. On va regarder ce qu'il nous faut pour des... Donc ok, 12, 20, 35... 12 plus 20 plus 35, ça fait 32 plus 35, 67. Donc 67 fois 2, 134. Il va me falloir 134 minerais de cuivre pour faire ces trois trucs-là. Donc je vous dis à dans 134 minerais de cuivre. Finalement, j'ai pas trouvé de... Enfin si, j'ai trouvé. Mais pas suffisamment de... De trucs là, de cuivre pour être intéressant. Donc je vais en fait prendre un arc parce que j'ai eu beaucoup de fer. J'ai trouvé beaucoup de fer donc. Et on va quand même faire le Carver XL qui est ce que je voulais à la base comme arme. Alors le Carver XL va aller ici. Toi tu as retourné dans l'inventaire, c'est pas très grave. Et hop, on a le nouvel arc que l'on va tester tout de suite. Et en plus, avoir un nouvel arc a quand même un avantage. C'est que ça nous permet de mieux chasser. Ok, si je les tue en un coup, c'est pas dérangeant. On va essayer sur un deuxième poste. Ok. Bon, bah, à tout à l'heure. Là, pour l'instant, j'ai 32 barres de cuivre. Donc, il m'en faut encore une trentaine, donc une soixantaine de minerais. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Alors, j'étais en train d'explorer, à la recherche de quelques minerais
2. Quelques minerais de cuivre. Et je crois ça. Alors, j'ai décidé de commencer à enregistrer au cas où, pour voir ce que c'était. Ça a l'air d'être une sorte de donjon. Je sais qu'il y a des donjons, je pensais pas en croire. Les mecs, ils ont des flingues. Mais allô? Ouh! Ouh! Ah! Ah! Ouh! Ah! Je suis en train de brûler. Je suis en train de brûler. Je suis en train de brûler. C'est bon, je brûle plus. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Purée. Hop. Bon, je vais refermer. Bon, j'y retournerai quand je serai un peu plus mieux protégé, on va dire. Parce que là, je vous avoue que j'ai pris cher. Bah tiens, d'ailleurs, en parlant de protéger, on va voir si on a suffisamment. 2 barres de cuivre, je crois que oui, mais je suis pas exactement sûr. Donc, on a un total de 165 barres de cuivre. 65. 165, ça me dérangerait pas. Mais c'est pas le cas. Et il nous en fallait 5, 67. Bon. Bah tant pis, j'aurai pas de chaussures. Véritablement, uniquement, ouais, 2 barres de cuivre. Ben, je vais aller chercher ce qui me manque. J'ai décidé, en attendant, de tout simplement me faire une hache parce que j'ai pas de quoi. Véritablement faire hop faire couper du bois, voilà, pas faire quelque chose, couper du bois. Ok, je la trouve pas dans mon inventaire. Est-ce que j'aurais oublié d'appuyer sur craft? Voilà. Et ça me permettra tout simplement de couper du bois plus vite. Hein. Je vais vous montrer ça un petit peu. Hop. Voilà. Pour le même arbre, il m'a fallu 5 ou 6 fois ce temps-là. Sans utiliser de hache. Donc la hache, c'est bien. Donc nous revoici partis. On va faire fondre les derniers minerais qu'on a eu et on va crafter notre dernier truc de cuivre. Voilà. Donc,
ça fera un petit épisode sur le craft. Je vais retourner dans le donjon, essayer de d'aller un peu plus loin parce que je me suis rendu compte qu'en fait ils m'ont donné un bouclier qui s'appelle un déflecteur. Est-ce que ça pourrait être utile contre les espèces de pistolets qu'ils ont? Eh bien, on verra ça dans le prochain épisode.